this field. And now I am very pleased to introduce Professor Benedetto Bravo. Benedetto Bravo is a classical philologist and historian, specialized in ancient history. He is an author of really a great amount of books about this topic. For many years, Benedetto Bravo worked in the Institute of History at the University of Warsaw. And today he will be talking on Collectionneur des Antiques et étudier les Antiquitates au 17e siècle. Panie profesorze, bardzo proszę. Les Antiquitates et les textes antiques, je voudrais ajouter, parce qu'en écrivant, je me suis aperçu. Bon. Les observations que je veux brièvement présenter sont nées d'une relecture. Oui. Les observations que je vais brièvement présenter sont nées d'une relecture du livre de Christophe Pommien, collectionneur, amateur et curieux. Depuis sa parution en 1987, ce livre m'a accompagné dans mes recherches et réflexions sur l'histoire de la pensée historique, s'étant joint dans mon esprit à un autre livre de Christophe Pommien, Przeszłość jako przedmiot wiary, le passé en tant qu'objet du savoir, dont j'eus le privilège de lire le texte dactylographié 24 ans avant qu'il ne fût publié. Et on a déjà parlé plus d'une fois du sort étrange de ce livre. Il devait être publié en 1968, mais à cause de la catastrophe politique qui frappa des dizaines de milliers de Polonais et l'ensemble de la culture polonaise au printemps de cette année, le livre n'est paru que plusieurs années plus tard. Dans plusieurs pages de collectionnaires, amateurs et curieux, Pommien met en lumière l'attitude intellectuelle qui, au XVIe et XVIIe siècle, était à la base de la coutume de collectionner des objets disparates, susceptibles de servir à la curiosité, entre guillemets, savante. Coquilles, pierres rares, oiseaux empaillés, squelettes d'animaux, herbes séchées, artefacts provenant de pays exotiques, tableaux, ainsi que des antiquités, entre guillemets, à savoir des objets provenant de l'antiquité grecque et romaine, notamment bas-reliefs, statuettes, ustensiles, monnaies, qu'on appelait médailles, inscriptions. Il montre que la curiosité des collectionneurs se fixait particulièrement sur ce qui était rare ou unique, même sur ce qui était monstrueux. C'est l'exceptionnel qui, aux yeux des collectionneurs, exprimait le mieux la force créatrice, inépuisable et imprévisible de la nature ainsi que de l'activité humaine. En outre, les collectionneurs étaient fascinés par tout ce qui, dans le domaine de la nature et dans celui de la production humaine, était susceptible d'être interprété comme un symbole exprimant une vérité. Ils étaient enclins à voir dans le monde un immense réseau d'analogies et de correspondances où tout serait lié à tout. Pommien présente cette curiosité comme une force qui brisait les limites que la théologie et la philosophie traditionnelle posaient au désir de connaissance. Cette mise en lumière des fondements intellectuels de la pratique des collectionneurs des XVIe et XVIIe siècles m'a amené à m'interroger sur le rapport entre celle-ci et les recherches hautement spécialisées et professionnelles que de très nombreux savants, à la même époque, consacrés à l'Antiquité grecque et romaine, soit en éditant et commentant les textes, soit en étudiant les institutions, les coutumes, les formes des villes et des édifices des anciens, bref, ce qu'on appelait les antiquitates. La question me paraît d'autant plus pertinente que ces deux secteurs de la culture avaient beaucoup en commun. Les collectionneurs partageaient avec les philologues et les antiquari, les antiquaires, ainsi que du reste avec tous les autres intellectuels de leur temps, la conviction que l'Antiquité grecque et romaine était l'époque où se trouvaient les règles et les modèles d'après lesquels il fallait travailler
pour créer quelque chose de valable et entrer en compétition avec les anciens dans n'importe quel domaine d'activité, dans la politique, l'art militaire, dans la philosophie, dans les sciences de la nature, dans l'architecture, dans la sculpture, dans la poésie, dans l'éloquence, dans l'historiographie, voire même dans la philologie et l'érudition antiquaire. Or, ce sont les philologues qui fournissaient des éditions et des commentaires des textes antiques où les règles étaient réalisées de façon exemplaire ou, dans certains cas, explicitement indiquées. Et c'est justement de ce texte qu'on pouvait extraire des informations applicables à beaucoup des objets qui remplissaient les cabinets des collectionneurs. Observons enfin, inversement, ces objets pouvaient servir aux philologues et aux antiquaires, aux antiquaires, pour éclairer ou corriger ou compléter les informations contenues dans les textes littéraires. Observons enfin qu'il existait des collections qui réunissaient non pas des objets disparates, mais exclusivement des objets choisis en fonction de leur utilité pour l'étude de l'Antiquité, inscriptions et monnaies antiques, ainsi que manuscrits contenant des textes antiques. L'exemple peut-être le plus connu dans la deuxième moitié du XVIe siècle, c'est la collection que Fulvio Orsini, Ursinus, philologue et antiquarius éminent, forma au palais Farnese, collection qui servit à lui-même et à d'autres pour des travaux savants. Cependant, si l'on considère la façon dont les philologues et les antiquaires des XVIe et XVIIe siècles travaillaient dans leur domaine, en poursuivant d'une façon originale le travail des grammaticoi ou grammatici grecs, latins, romains, on y voit à l'œuvre un mode de pensée très différent de celui qui régit l'activité de ce genre de collectionnaire dont s'est occupé Pomian. C'est un mode de pensée dominé par la volonté d'organiser la matière étudiée en y établissant des distinctions d'après des critères internes et de chercher, à l'intérieur de chaque objet ainsi délimité, des régularités propres à celui-ci, un ordre spécifique. Je dois préciser que mes considérations laissent de côté une zone importante de l'érudition de l'époque en question, celle qu'occupaient les travaux visant à construire un tableau des premiers âges de l'humanité sur la base des calculs chronologiques savants, d'étymologies spécieuses, de combinaisons hasardeuses d'informations provenant de textes disparates, de spéculations fantaisistes. Les recherches érudites de ce genre, peu orthodoxe au point de vue des idées traditionnelles fondées sur la Bible au sujet des origines de l'humanité, présente des analogies avec la façon de penser qu'exprime les collections d'objets disparates fréquentes à cette époque. Je sais que c'est principalement, certes pas uniquement, aux recherches dangereuses de ce genre que Jean-Baptiste Avico se réfère lorsqu'il parle de la philologia et soutient qu'il faut la joindre à la philosophia pour créer une scienza nuova intorno alla natura delle nazioni. Et je n'ignore pas qu'à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle, l'un des principaux philologues, Joseph Juste Scaligère, consacra la plupart de ses efforts à la construction d'un gigantesque thesaurus temporum, embrassant les âges anciens de l'humanité. Mais ce qui m'intéresse maintenant, ce sont les travaux spécialisés concernant l'Antiquité grecque et romaine. Prenons d'abord le travail philologique. Il consistait essentiellement à établir et interpréter les textes des auteurs anciens en donnant la préférence de la critique textuelle aux manuscrits les plus vieux et en tenant compte de l'usus linguistique propre à chaque époque, à chaque genre littéraire, à chaque auteur. Déjà au XVe siècle, les humanistes avaient brusquement brisé la tradition du latin en tant que langue de la littérature et de la communication savante, ayant pris conscience de l'énorme différence entre le latin parlé et écrit par les hommes cultivés de leur temps et le latin des écrivains de l'Antiquité. Leur effort visant à chercher dans Cicéron et Tite Live les règles de la langue et de l'éloquence pour imiter ces écrivains et entrer en compétition avec eux, naissait d'une conscience aiguë
de la distance entre le latin de l'Antiquité et celui des, entre guillemets, siècles barbares. C'est cette conscience qui, au milieu du XVe siècle, avait permis à Lorenzo Valla, l'un des fondateurs de la philologie moderne, de démontrer que la donation de Constantin, par laquelle l'église de Rome justifiait ses possessions territoriales, était un faux médiéval. Depuis le milieu du XVe siècle, le travail des philologues n'avait fait que progresser. Le progrès consistait principalement à affiner la sensibilité linguistique et la capacité d'interpréter chaque texte par l'analyse de sa logique interne, en s'appuyant sur l'étude de l'usus linguistique de l'époque à laquelle le texte donné appartenait, et en explorant d'une manière de plus en plus méthodique la tradition manuscrite. On sait quelle importance les traductions de Platon, de Plotin et des écrits du Corpus Hermeticum par Marsilio Ficino eurent à Florence dans le dernier quart du XVe siècle. On sait que le Corpus Hermeticum, qui était censé être un témoignage d'une prisca theologia, d'un très ancien savoir philosophico-théologique, peut-être antérieur au livre de Moïse, s'allier dans la pensée des intellectuels florentins de l'époque au néoplatonisme pour former une conception du monde où tout être sensible pouvait être perçu comme un symbole d'une vérité cachée. Or, il est frappant de constater que le plus grand philologue du dernier quart du XVe siècle, Angelo Poliziano, qui vivait justement à Florence et qui, de même que Marsilio Ficino, était lié à la cour des Médicis, se montra tout à fait indifférent à l'égard du Corpus Hermeticum, aussi bien que du néoplatonisme. Les courants néoplatoniques continua pendant longtemps à jouer un rôle important dans la culture européenne, et même la fascination que le Corpus Hermeticum exerçait ne s'effaça pas tout à fait. Mais la plupart des philologues et des antiquari des XVIe et XVIIe siècles demeuraient réfractaires à ce genre d'intérêt. La spéculation philosophique ou théologique ne les attrayait pas. Aucun des philologues respectables de cette époque ne travailla sur le Corpus Hermeticum. Au début du XVIIe siècle, Isaac Casaubon s'aperçut que la terminologie et les notions employées dans les écrits du Corpus Hermeticum témoignaient que ces écrits n'avaient pas une origine très ancienne, mais avaient été composés à l'époque de l'Empire romain. Il vit juste. L'un des premiers textes antiques à être imprimé, ce fut la Naturalis Historia de Pline, édité par l'un des meilleurs philologues de la seconde moitié du XVe siècle, le Vénitien Ermolao Barbaro. Cette prodigieuse compilation, qui dans une des nombreuses éditions qui parurent au XVIe siècle porte le titre de Historia Mundi, est une sorte de collection imaginaire, classant et inventoriant les produits de la nature animée et inanimée et les produits des arts, avec une nette propension à enregistrer les mirabilia. La conception du monde qu'elle présuppose et que parfois elle énonce est un mélange hybride où le stoïcisme de Poséidonios, caractérisé par une vision dynamique du cosmos, est certainement une des composantes. Il est vraisemblable que cette Historia Mundi était présente à l'esprit de ceux qui faisaient des collections d'objets disparates. Mais les recherches que le philologue lui consacrait, à commencer par les Pliniane Castigationes d'Ermolao Barbaro, étaient des sobres travaux de critique du texte. Jetons maintenant un coup d'œil du côté des antiquari, sans oublier que la plupart d'entre eux étaient également des philologues. Je choisis un cas qui est particulièrement instructif et qui a fait l'objet d'une bonne monographie, celle de William McQuaig, Carlo Sigonio, The Changing World of the Late Renaissance. Des années 40 aux années 80 du XVIe siècle, Carlo Sigone, connu sous le nom latinisé Sigonius ou Sigonio, citoyen de Modène, fut professeur de rhétorique à Modène, Venise, Padoue et Bologne. À Pologne, entre guillemets, et le futur chancelier de Pologne, Jan Zamoyski, écrivit sa thèse de doctorat de Senato Romano sous sa direction. Sigonio conçut d'abord, vers la fin des années 40, le projet de dresser une liste annalistique de tous les magistrats de la République romaine
en réunissant, toutes les informations fournies par les textes littéraires latins et grecs. Mais, comme il le dit dans une préface, c'est justement alors, grâce à la divine providence, que dans le Forum Romanum fut découverte une très ample inscription contenant, bien qu'avec des lacunes, les Fasti Consulares. Sigone changea alors son projet et entreprit de rééditer cette inscription en remplissant les lacunes grâce aux informations fournies par les textes littéraires. Le résultat, ce fut le Regum Consulum Dictatorum Aquensorum Romanorum Fasti, publié en 1550. Ici, le texte conservé par l'inscription et les données insérées par l'éditeur qui se distinguent par des caractères typographiques différents. Le travail sur le Fasti servit à Sigonio dans son édition de tout ce qui était conservé des historiarum de Tite-Livre. Une troisième édition de Fasti parut à Venise en 1556 avec, sous le titre de Fasti Consulares Actri Triumphiacti, ensemble avec un très ample ouvrage intitolé In Fastos et Triumphos Commentarios. Ce commentarios est un commentaire au Fasti Consulares à ce sens qu'il indique pour chaque année les sources autres que les Fasti eux-mêmes, sources littéraires et épigraphiques, dans quelques cas également numismatiques, en signalant les divergences éventuelles qui apparaissent à l'intérieur de la documentation. Mais il est aussi une histoire dépourvue d'élaboration rhétorique qui passe en revue, dans un cadre strictement analytique, une année après l'autre, les principaux événements de l'histoire politique et militaire de Rome, depuis sa fondation par Romulus jusqu'à la mort d'Auguste. En ce qui concerne les données numismatiques, il vaut la peine de noter que dans la préface de cet ouvrage, qui est dédié au doge Lorenzo Priolo, l'auteur déclare qu'Andrea Loredan, parent du doge et Antiquitatis Omnis Indagator et Diligentissimus, lui a donné la possibilité d'utiliser beaucoup de monnaies de sa collection. Cette collection se trouvait dans le splendide palais sur le Canal Grande, qui aujourd'hui est connu sous le nom de palais Vendramin Calerci. Dans la préface d'un autre livre, du petit traité chronographique, Sigonio mentionne le célèbre musée, Celebre Museum Illud, que le dédicataire a enrichi par des monnaies très anciennes et des inscriptions et des statues qu'il avait fait venir à grands frais de la Grèce tout entière. Et il ajoute que tout prince et toute personne cultivée visitant Venise veut voir ce muséum. Le commentarios in fastos et triumphos est un travail qui impose le respect si l'on considère l'effort systématique visant à exploiter toutes les sources disponibles et à les traiter de manière critique, même si cette critique n'ose pas toucher à la tradition légendaire sur la Rome des premiers temps. Mais bien plus novateur et plus admirable sont les traités que Sigonio publia à Venise successivement en 1560, 63, 67, intitulés respectivement De Antiquo Iure Civium Romanorum, De Antiquo Iure Italiae, De Antiquo Iure Provinciarum, et dont l'ensemble, un gros in folio sous le titre De Antiquo Iure Populi Romani, parut à Bologne en 1574. C'est un ouvrage qui, en ce qui concerne les problèmes posés, pas les solutions naturellement, fait penser au Römisches Staatsrecht que Theodor Mommsen publia plus de 300 ans plus tard. Il étudie de façon systématique la structure sociale, juridique, politique de la Rome archaïque, puis de l'Italie conquise par Rome, enfin l'organisation provinciale, en mettant en lumière et définissant avec précision les notions qui étaient à la base des institutions et de leur fonctionnement. Il exploite les textes littéraires de tout genre, ainsi que de nombreuses inscriptions. Les recherches de Sigonio sur les antiquitates romaines peuvent être rapprochées de celles d'autres savants éminents de son époque ou un peu postérieure, notamment de celles de l'espagnol Antonio Agustinus,
avec qui Sigogne avait de bons rapports, du français Nicolas de Grouchy, Grucius, dont le traité De Comitis Romanorum poussa Sigogne à une polémique peu agréable, ou du flamand Juste Lips, auteur entre autres d'études sur l'armée romaine et sur les amphithéâtres. Arnaldo Momigliano, un historien qui a donné des contributions fondamentales à la compréhension du rôle des antiquaires dans l'histoire de la pensée historique, a affirmé plus d'une fois que les antiquaires concevaient le passé d'une manière statique, donc non historique. Ce jugement ne me paraît pas satisfaisant. Il va de soi que les travaux des antiquaires, les historiens analytiques et les études de telle ou telle catégorie d'antiquitates ne correspondent pas à la notion d'histoire telle qu'elle s'est formée entre le dernier quart du XVIIIe et le milieu du XIXe siècle. Cependant, cette dernière notion nécessite qu'une des manières possibles de comprendre rationnellement tel ou tel aspect du passé. Les antiquaires comprenaient certains aspects du passé à leur manière, et c'est cette manière que nous sommes tenus de comprendre. Les savants de la seconde moitié du XVIe, qui s'engageaient dans l'étude des antiquitates, ressemblent de très près à ces érudits du XVIIe siècle qui travaillaient sur le Moyen-Âge, Mabillon, Montfaucon, Ducange, Pape Brec et bien d'autres, et dont Pomian s'est occupé dans la partie principale de son livre « Le passé en tant qu'objet du savoir ». Notons d'ailleurs que c'est justement à l'étude du Moyen-Âge que Sigonio, ayant commencé à s'occuper de l'histoire de la ville de Bologne, consacra la plus grande partie de ses recherches dans les dernières années de sa vie, écrivant de gros ouvrages intitulés respectivement « Historiarum de Regno Italiae Libri Quindici » et « Historiarum de Occidentale Imperio Libri Viginti ». Ce sont des histoires ordonnées dans un cadre analytique et fondées à la fois sur des sources littéraires et sur des documents d'archives que l'auteur avait trouvés dans plusieurs villes de l'Italie du Nord. Certes, chez les antiquaires et les philologues du XVIe siècle, le sentiment d'appartenir à une communauté intellectuelle à part, à la République des lettres, dont tous les membres étaient censés être solidaires entre eux dans la recherche scientifique, en dépit des divisions et des intérêts politiques et confessionnels, n'était pas encore si fort que chez ces savants du XVIIe siècle dont s'est occupé Pomian. L'esprit agonistique et querellaire hérité des humanistes du XVe siècle et qui se servait des armes de la rhétorique judiciaire antique dans la discussion coexistait avec l'esprit de collaboration scientifique. Ce dernier, pourtant, était bien présent. En témoigne, par exemple, le cas de Juste Lips. Ce savant, formé dans un milieu catholique, se fit luthérien lorsqu'il reçut un poste dans une université luthérienne, puis se fit calviniste lorsqu'il se transféra dans une université calviniste, enfin redevint catholique lorsqu'il se fixa à Louvain pour le reste de sa carrière. Pendant tout ce temps, des savants catholiques, luthériens, calvinistes, entretenaient avec lui de bons rapports. Notons aussi le rôle important, très important, que déjà à cette époque jouait la correspondance épistolaire entre savants. Les lettres des philologues et des antiquaires éminents de la deuxième moitié du XVIe et du début du XVIIe siècle circulaient, étaient conservées après la mort de leurs auteurs, étaient publiées et remplissaient de gros volumes. Malgré les différences indéniables entre les érudits du XVIe et ceux du XVIIe siècle, les uns et les autres se ressemblent par ce genre de curiosité entre guillemets, qui les distingue, une curiosité qui les pousse à une étude critique, systématique, exhaustive, fondée sur une documentation la plus large possible des secteurs du passé clairement délimités. C'est une curiosité très différente par son orientation intellectuelle de la curiosité qui caractérise ceux de leurs contemporains qui collectionnent toutes sortes d'objets rares. Et alors que cette dernière, comme Pomian l'a très bien montré, s'est peu à peu dissoute face à l'expansion des nouvelles sciences de la nature, l'autre curiosité s'est transformée en devenant une composante des sciences historiques du XIXe siècle et par là a contribué d'une manière décisive
à la formation de notre conception du monde. Merci beaucoup. Bardzo dziękuję, panie profesorze. We are running out of time, but still we have a few minutes for discussion. We have to stop at one. I bet we are starving anyway. But we still have a few minutes, so if you have any questions, remarks, comments, please do not hesitate. Feel free to ask. Are there any questions? If not, we can discuss things in more intimate circumstances, or lunch. And but still, I invite questions, and we have time for one, two. Yeah. Merci. Je voulais poser une question. Bon, là, je suis archéologue à l'INRAP, donc je voulais poser une question à Monsieur Mauconduit sur la notion des cabinets de curiosité, les armes que vous avez répertoriées, sur lesquelles vous travaillez. Et en fait, je ne pouvais ne pas penser aux collections qu'on découvre dans les tombes, dans les inhumations, des armes qui n'ont pas servi, bien souvent, qui sont des parures, qu'on retrouve dès l'âge du fer et tout au long de l'époque antique. Et voilà, je voulais savoir vous étiez un peu intéressé à la question, puisqu'on peut faire un parallèle avec ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Une des difficultés, je suis allé vite, très vite, mais une des difficultés, c'est que quand on essaie de travailler sur les armes dans les collections et d'abord les cabinets de curiosité, je l'ai dit, c'est qu'on n'est pas du tout certain de leur usage, de leur fonction. Alors effectivement, ça remonte aussi aux reliques ou à certaines pratiques religieuses antérieures aux collections dites cabinets de curiosité. Dès qu'on trouve une arme dans un cabinet de curiosité, la première question, c'est de se demander sa provenance. Est-ce que c'est une arme qui a pu servir? Est-ce que c'est une arme d'usage, si je puis dire? Ou est-ce qu'elle est là pour des raisons d'apparat liées ou non à une relique, par exemple, ou à des cérémonies diverses, comme à Dresde? C'est une des difficultés, c'est que les armes présentes dans les cabinets ont des statuts, à mon avis, extrêmement différents, non seulement du fait de leur provenance, de leur historicité, mais aussi de l'usage, de la raison, au fond, pour laquelle elles sont présentes. Ça rend la question passionnante et très compliquée. À chaque fois qu'on trouve une arme, à mon sens, dans les cabinets de curiosité, la première question à se poser, c'est pourquoi est-elle là? C'est-à-dire, quelle est sa provenance? Quelle est sa légitimité? Est-ce que c'est lié à une histoire spécifique, etc. Donc oui, ça a des liens avec des pratiques antérieures. Et c'est compliqué parce qu'on n'est jamais certain que l'arme est là en tant qu'arme. Elle peut être là en tant qu'objet, simplement, lié à la personnalité du défunt, lié aux pierreries qui l'accompagnent, ou que sais-je. Enfin, il y a de multiples raisons possibles qui rendent la présence d'une arme dans les collections peut-être légitime, mais toutes ces raisons sont diverses et beaucoup sont hétérogènes. Donc oui, ça, bien sûr que ça recoupe des questions comme celles que vous évoquez. Mais je pensais en particulier à des collections dont on connaît bien le propriétaire, et des collections qui ont été revendues, on a les dates, et on peut remonter la filière et on sait d'où vient l'objet, de quel site archéologique il est originaire en fait. Alors pour certaines des armes, c'est pour ça que je me suis un peu amusé avec François Ier, pour certaines des armes, on peut suivre le fil, si je puis dire, voir que l'épée supposée de François Ier à Pavie, elle circule dans toute l'Europe au gré des conquêtes successives. On n'est absolument jamais sûr que c'est vraiment l'épée de François Ier, mais pour le cas de ces armes trophées, disons, très clairement, elles sont escortées, on peut dire, d'une sorte de discours pseudo-historique sur l'origine supposée de l'arme en question. Lorsqu'il s'agit d'armes exotiques, ça va être plutôt un discours d'escorte lié à leur provenance. Lorsque ce sont des armes que j'ai appelées techniques, ça va être quasiment des modes d'emploi ou des notices, c'est-à-dire comment on l'utilise. Donc le discours qui escorte l'arme présente dans les collections, à mon avis, dit beaucoup de choses sur leur provenance, ça c'est sûr, mais aussi sur leur utilité éventuelle, sur leur usage, sur la légitimité au fond de leur présence dans la collection. Et je l'ai dit très vite, il y a aussi la manière dont les armes sont présentées dans les collections qui me paraît déterminante. Chez les princes, il y a une,
j'oserais dire une spectacularisation, pardon, ce n'est pas un joli mot, enfin, une mise en spectacle, disons, des armes, qui accrédite l'idée que l'arme est liée au pouvoir dont elle témoigne. Ce n'est pas du tout le cas pour les armes exotiques, par exemple. Elles sont présentées de manière totalement différente. Donc, une des questions afférentes, à mon sens, au travail sur ces armes, c'est aussi d'essayer de repérer à travers des textes, des récits de visite, etc., la manière dont elles étaient mises en scène, si je puis dire, dans la collection. Et ça dit beaucoup sur leur usage éventuel, leur origine, etc. Je ne sais pas si je réponds vraiment, mais... En partie, mais moi, je faisais allusion, je pensais plutôt au catalogue de vente. Parce qu'à travers le catalogue de vente, on a la provenance, on peut suivre l'objet. Alors, la provenance, mais un, ce n'est pas toujours garanti, ça dépend de la nature exacte du catalogue. Et deux, la provenance ne dit pas toujours, enfin, vous connaissez ça certainement mieux que moi, mais ne dit pas toujours l'usage réel de l'arme en question. Donc, je ne suis pas archéologue, donc je n'ai pas les mêmes compétences que vous. Je pense que ces documents-là, comme la plupart des autres, leur intérêt, leurs difficultés, c'est qu'ils sont compliqués à exploiter. Et on n'en a pas tant que ça par rapport aux collections historiques, aux cabinets de curiosité. Il y a assez peu de documents, en réalité. Merci. I'm very sorry, but we have to abandon our discussion at this very moment. Thank you very much. I thank you, my colleagues, and thank you very much. And we're going to meet again after lunch break. Franz, do you want to say some more?